Allez, Loulou, c'est tonton Tommy qu'on retourne sur Devil May Cry 5 après s'être amélioré. Et ben, mon petit coup avec le 2xY, on attend. Et là, blam, 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 regardez-moi ça. Bam! Ça fait super mal. Donc, déjà qu'il faisait mal avant, c'est cool. Ça dépote. Alors, on va faire un petit tour de manège. Oula. On a du gros, du lourd. Ah ouais, c'est le gros là. Comment il est arrivé là? Ah bah voilà. Mortel. Flash info, nous sommes en direct de notre hélicoptère. Steve, je n'en crois pas mes yeux. Putain. Bim bim. Ah. Ah, l'enfoiré, c'était qui? Ah putain. Tous tués. Ah non, il y a encore des petites saletés. Allez, clac, clac, clac. Allez, vas-y, vas-y, hop là, bim. Ah. Un petit A. Cool. J'ai bien frité, ça commence pas trop mal ma foi. Je me suis remis dedans assez vite. Alors du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je me tire dessus là, je sais pas. Ok. On se barre, voilà. En effet, elle va te mettre assez pratique la pupus là. Dégage. Excellent. Oh, oh putain. Merde. Ah ouais, dommage. Je peux y aller du coup maintenant? Ah, les yeux et tout. Un petit coup de miroir de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Rien. Ça, pour l'instant, c'est pas trop mal balisé. Il y a des trucs à trouver là-dedans. Tiens, c'est quoi ça? Ah bah j'ai une clé, ouais. Waouh. Alors ça, c'est quoi? C'est des endroits spécial. Ah ouais, carrément. Bataille aérienne. Tuer tous les ennemis dans le temps imparti. Les ennemis ne subissent que des dégâts qu'en l'air. D'accord. La touche d'affichage pour commencer. Pardon. Ah, d'accord. Putain. Ah, dommage. Ah, raté. Pourquoi j'y arrive pas? Ah bah quand même. Ah, et non. Ça me semble juste. Ah putain, pourquoi je peux pas faire l'enchaînement? Ah, ça marche pas tout le temps. Non? Putain, je suis dégoûté. Pourquoi j'y arrive pas? Il y a quelque chose que je fais mal. Allez, ben, ben. Ah là là, il m'en reste qu'un. Oui, si, c'est bon, je l'ai fait. Oh, à 6 secondes près. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une croix verte, ah, c'est peut-être pour de l'énergie, ça, non? En plus.
Fragment de croix de santé. Ah, il en faut 4. Ok. 4-4. Bon, bah bien. Donc la clé, ça sert à ça. Ils sont tripantes les transitions quand même. Des petits tableaux. Bon. Salut toi. Ah, qu'est-ce qu'on se fait? Waouh, waouh, waouh. Pas content. Oh, ça y est, les petites araignées. Hop là. Très bien. Rien d'autre? Non. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est quoi ça? Ça marche pas non plus. Bon, c'est que pour l'instant on doit pas pouvoir y aller. c'est n'importe quoi. Allez, hop là. Ah tiens, moi, toi, mon pauvre. Que je te libère. Il y a pas mal de trucs à choper dans le coin. Il y a rien d'autre. Waouh, j'avais pas vu lui. Ah, il n'y a rien d'autre. Ok. Ouais, c'était bien par là qu'il fallait que j'aille. Hein. Une petite pièce sympa. Où il y a plein de petits délires à choper. Toi aussi, je vais te libérer, ma poule. Ah, raté. Ok. La sortie, bien. À mon avis, ça va pas se passer en douceur. Stop, c'est éclair. Pas bon. Du tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, vas-y, vas-y, agresse. Ah. Bim. Ok. Ah. Continue à avancer. Ouh là, il y a du piège en plus. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Faut sauter par-dessus. Par-dessus. Voilà, la sortie, on y va. Ça, j'ai pas trop perdu d'énergie pour l'instant. C'est pas violent. Ah, les cheveux blonds. Les cheveux blancs. Jamais de la vie. Bah, si, un match. Ça sert à rien. Pourquoi pas? Il craint pas les balles. On le fait à l'épée alors? Quoi? Elle va te ramener dans le VR. On reviendra pour lui. Ok. T'en as eu, continue tout droit. Je sais pas, j'y vais. Hein. Voilà. Ah bah les flammes apparemment il n'aime pas. Ok, le limier. Moi aussi. Ah
Allez, vas-y, agace. Ah, dommage. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Oh là, oui, d'accord, hein, c'est dommage. Oula, qu'est-ce qu'il va nous faire? Sale ambiance. Oh putain, d'accord. Ok. J'ai pigé. On est vite, on est vite, on est vite. Ah, le sagouin. Bien. Ah, bien, l'enchaînement. Ah, j'ai évité. Cool. Redescends. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est bien. Allez, agresse-le. Allez, continue, continue un peu. Ça fait mal, ça. Sale pio. Allez, vas-y, continue. Allez, tu viens de m'agresser, là, voilà, bien. Voilà. Et premier boss, finger in the nose. J'apprécie. La fête est finie. C'est ça. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. C'est plutôt mature, mais par rapport aux anciens. Ma mère. Je me souviens à peine d'elle. Maman. Ah, le sujet qui fâche. Je sais pas à quoi ça correspondait, cette transition, mais bon. Ça va, Adam ? La copine. Comment tu connais mon nom ? Mon boss te connaît. Il veut te rencontrer. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non ? Ouais, mais je t'avais rien demandé. Ça n'a pas la gratitude. Allez, vilain garçon. T'es curieux de nature. On sait tout de toi, Dante. Mon organisation s'appelle l'Ordre. Tu connais? Un rapport avec le taré masqué d'Internet? C'est mon boss. Génial. J'ai hâte. Nous recevons à l'instant, je vous parle de la vraie d'une attaque terroriste sur le quai de Bellevue, dans le quartier ouest de la ville. La police demande à tous les habitants de rester vigilants. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment, lorsqu'on s'y attend le moins. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ouais. Espère, comme tu veux. Point de style, c'est... Ça commence pas top, tant des... B. Oh là là, il y a plein de trucs que j'ai pas chopé. Il y a une autre clé que j'ai pas trouvée. Pom. C. Ça commence moyen. Par contre, j'ai gagné 2 points d'amélioration et ça, c'est bonheur.
Donc, je me dis qu'à la rigueur, je vais faire une petite pause et je reviens. À tout de suite. Ok les loulous, je suis reparti. On va commencer la mission. Donc je me suis boosté quelques trucs sympas. Notamment, le coup de base, il fait plus mal. Et puis je me suis rajouté aussi le coup en l'air qui fait plus mal aussi, parce que j'ai compris comment faire. En fait c'est simple, hein, je donnais qu'un petit coup et il faut rester appuyé sur le bouton B pour les suivre en l'air et après vous taper avec Y. Donc ça j'ai rajouté aussi de la puissance. Ça devrait être plutôt propre. Bienvenue dans l'ordre. Il y court le short. C'est le but. Les démons sont parmi nous, Dante. Et ils dominent totalement l'humanité. Le monde est faible, endoctriné, léthargique. Nous sommes des combattants de la liberté. Nous sommes la dernière ligne de défense. De défense ? Vous n'avez aucune chance. C'est pas une question de chance. On a accumulé des informations sur les démons et sur leurs collaborateurs. Chefs d'État, banquiers, popstars. On connaît leurs points faibles. Ils sont équipés. Et donc c'est Monsieur le Boss. Incroyable. Dante, c'est bien toi. Tu ne te souviens pas de moi? Non. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance? Pas vraiment. J'ai eu une méningite à 7 ans. Ça m'a effacé la mémoire. Moi, on m'a dit que mon amnésie venait d'un accident de voiture. À l'âge de 7 ans. Wow. Et alors? La méningite, c'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, Dante. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi. Et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. Attends un peu. T'es qui, au juste? Je m'appelle Vergile. J'ai créé l'ordre pour trouver un moyen de tuer les démons. Les épées et les balles, ça marche bien. Ça suffit pour remporter des batailles, mais pas la guerre. Nous utilisons la force, c'est vrai. Mais aussi le renseignement, la politique, la propagande. Tu crois vraiment pouvoir faire une différence? Une différence? Je crois qu'en unissant nos efforts, nous serons capables de les vaincre. Alors c'est ça que tu veux? Que je combatte les démons et que je sauve le monde. Tu comptais faire autre chose de ta vie? Vous avez l'air vraiment très sympa, les gars. Mais moi, je travaille seul. J'ai un peu de mal à faire confiance à des inconnus. Dante, t'as pas l'air de comprendre les enjeux. Si tu veux partir, libre à toi, je ne peux pas t'en empêcher. Mais tu commettrais une grave erreur. Pour toi et pour toute l'humanité. L'humanité? Oui. Mais j'en ai rien à carrer. Laisse-moi une chance de te montrer. Me montrer quoi? Qui tu es vraiment. Yo ho ho. Qu'est-ce qu'il y a? On va se bastonner pour avoir un pouvoir, un truc? Non. Paradise. Donc Vergile, alors du coup, oui, si ça se trouve, on recommence le scénar principal avec ce perso-là. Ce qui serait pas étonnant. Avec des nouveaux pouvoirs et tout et tout. Donc rejouabilité assez sympa. C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ça va venir. Kat, ouvre le portail. Tu fais quoi? Comme notre monde et les limbes sont étroitement superposés, par endroits, ils entrent en collision. Ce qui crée des failles. C'est ici, dans ces failles,
que nous pouvons créer des portails entre l'un et l'autre. Ça sent pas la rose. C'est quoi ce truc? Un composé que j'ai créé à partir d'une vieille formule Wiccan. Eau de mer, huile de requin, copeaux de fer, semences d'écureuil desséchées et poils de loup. Sympa? Ah ouais, quand même. Vas-y. Cette maison renferme des secrets. J'ai trouvé le mien. C'est ton tour. Comment je reviens? On te ramènera. Mais sois prudent. Ce n'est pas sans danger. J'aime bien le danger. Eh, hey, il est un petit faible, hein. Faut dire qu'elle est chouque. Tu penses que ça va marcher? Il a l'air de s'en moquer. Ça viendra. Souviens-toi comme tu étais au début. Ok, donc on y retourne dans les limbes. De l'action, de l'action! Ambiance, ambiance. Alors. Oh, les reflets. Les reflets, regardez-moi ça là, sur les pierres. C'est tout bien propre. Alors. On avance. Aucun danger. Aucun objet. Très bien. Oh, par contre, là, ça va changer. Je vois déjà un truc à bousiller là-haut. Alors, c'était chez moi. Bon. Voyons ces secrets. Ok, balandons-nous. Non, faut que je sois physiquement dessus. Ok. J'ai vu un truc là-haut qui se baladait aussi. Il me semble. Ouais, il est accroché là. Pas le gun. Le gun, ça marche pas. Ah, salut. Oh, que j'ai bien fait de me balader dans le coin. C'est bon, j'ai tout chopé. Il n'y a rien au plafond. Très bien. Encore des trucs. Pour l'instant, c'est juste du bordel à choper. Et bien entendu. Sprouch. Là-haut, non, rien. Non, rien, que dalle. Ok. Donc, on a fait le tour du haut. Parfait, parfait, parfait. Alors, il me semble qu'il y avait quelque chose par là. Ah oui, il y avait un passage où j'étais resté bloqué au tout début du jeu. Tout bêtement. Je vais fouiller un peu quand même. Qu'est-ce qu'on a derrière? On sait pas où on est arrivé, ça. Concert tarp débloqué. Ebony et Ivory. Pourquoi je l'ai débloqué ce truc? Simplement en tirant dans la bibliothèque? Ah, c'est marrant. Il y a quelque chose là. Eh ouais. Il y en a d'autres au-dessus. Ok. J'ai peut-être été un peu vite. Non, là que dalle. En fait, on peut bousiller ça? Non, on peut pas. D'accord. Bon bah là, du coup, ça, c'est sûr que c'est bon, j'ai fait le tour. Donc bah oui, en effet, le seul passage est ici. Et ben allons-y. Ici, y a rien. Alors, c'était bien là que j'étais bloqué. Et ouais... Où j'étais pas assez. Ici. Non plus. Oh
putain, c'est là que j'étais bloqué, bordel. Qu'est-ce que je dois faire? Et ouais, non, je pouvais pas passer comme ça, déjà, ça c'était sûr. Mince. Déjà, est-ce que je suis sûr que je l'avais passé, ce passage, au moins? Je ne sais pas. Y'a rien au-dessus? Non. Ah! Oh, wow, 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 wow. Ah bah ça commence bien. Je peux vraiment pas choper l'eau. Ça, ça a pas l'air, hein. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette galère? Déjà dès le début, ça y est, je suis déjà paumé. Merde, c'est pourtant bien là, ouais, que je m'étais dit, bon sang de bois, il y a un délire, mais lequel? Parce que là en face on est clair, ouais ces portes là ça sert à rien. On est ok. C'est fermé de partout donc. Ah est-ce que j'aurais loupé quelque chose là-haut? Pité bien. Non, alors ça c'est sûr, je l'avais bousillé. On est d'accord. À l'opposite. Là, il y avait quoi? Il y avait la clé, mais il n'y avait rien d'autre. On est d'accord. Zut à flûte. Et là, au-dessus, je peux rien faire. Non, rien à péter. Ok. Là, cette porte-là ne mène à rien. Ah tiens. Ah bah si, c'est par là. Oh bah oui, c'est là que je veux. La statue du temps. Amélioration et objet. Je suis jusqu'à 718. C'est pas top. J'ai même pas de poids en plus. J'ai pas d'expérience. On avance. Ah bah voilà. Je suis pas sûr de vouloir descendre. On va d'abord aller voir au fond. Quand c'est bien trop calme tout ça. Ouais, ça va changer. Je me souviens de cet endroit. Ah, bah voilà. Petit coin canapé, tranquille. Et t'es qui, toi? C'est ça. Sparda. Sparda? Fils de Sparda. Mon père? Ah. Oh. Voilà. Pin bamboum. Wow. Non, 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 toi tu vas pas me lancer ta merde. Ok. Oh, un petit nouveau, bonjour toi. Chevalier de l'Apocalypse. À qui le tour? C'est toi. Ah, coriace. Mais il est doux là. Voilà, bim bam boum, bam. Oh 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 oh, ça était propre. Qu'est-ce que tu veux me montrer? C'est ça, je suis bien curieux. Dis-moi tout. Oh, 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 ça vibre dans la manette. Oh yes. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Ah oui, c'est le changement de style, ça. Tu vas manger. Alors, nouvelle arme débloquée. Orbiteur.
l'engrenage démoniaque d'un maniement lent mais destructeur. Alors, au sol, YYY, jugement, secousse en l'air et dans l'arrière et chute. Ok. Pour attaquer avec Arbiter. Ah d'accord. Oh, oh. Ah. Ah ouais, ça fait mal. Là. Bon, c'est pas très style, mais... Raté. Oh, c'était propre ça. On peut même le faire en l'air et tout. Waouh, tcha 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 tcha. C'est bon ? Qui est là ? Ça a l'air d'être bon. C'est qui ? Oui, je suis curieux. Oh, fof, fof. J'étais surpris. Faut pas tomber là. Hein. Je crois que je vais pas avoir le choix. Ah, tiens, ça je t'avais pas vu. C'est bon ? Bon, bah écoute. Ah non, je peux pas. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Ah, raté. Si. Voilà. Ça fait un peu dégueu les cocons. Pourquoi j'entends des bestioles ? D'araignée ? Ah bah oui. Voilà. Ouais, j'ai un petit point à améliorer, ça c'est cool. Déjà. Bon, bah là, je vais pas avoir le choix non plus, on descend. Encore de la petite araignée. L'araignée gypsy monte à la gouttière. J'ai fait en par terre. Ah ah non, pourquoi il est dos là ? Ah, dommage. Ah, ça c'est mortel ça. C'est, ça il faut que je le fasse plus souvent. J'adore ce coup. Bien entendu. Bah ouais, hein. Je crois. Ah d'accord. Par contre, je suis en train de réfléchir. Il n'y avait pas un autre endroit. C'est pas. On avance. Ça m'étonnerait que ça marche avec Arbiter, ouais. Pas non plus. Ok. Ah putain. Bam, bam, voilà. Toi tu vas te calmer. Merde, j'étais pas du côté. Non, ah la parade. Continue, voilà. Et un petit hack, concept art tête bokeh. Cool. C'était moi. Je m'en souviens. Il a dit Dante, hein. D'accord.
L'incidence serait un peu violente quand même si c'était pour vraiment le cas. T'as pas l'air de comprendre les enjeux. Wow. Ouais. Voilà, encore un décor de ouf. Quand même les mecs, je sais pas ce que vous prenez là. Ça doit être du lourd pour créer des niveaux pareils. Je suis où? Faut l'avoir vécu, c'est pas possible. Je suis dans un rêve. Ça aurait été une bonne question. Là ça va être compliqué de traverser, il doit y avoir un truc. Bah tiens, je vais le pouvoir. Yes, grappin. Je me souvenais plus de ça. Ok, capacité débloquée. RT plus X. Au sol et en l'air. D'accord. Style Scorpio. Viens à moi. Ah ouais. Grave. Qui plan, non. J'étais un peu loin. Toujours le problème avec les caméras. Quand on est en train de jouer en 3D, c'est pas toujours simple. Non, rien. Oh, c'est le vide interstellaire, quoi. Ok. Autant que je me rappelle, ouais, à la fin je faisais des moves de ouf. Il fallait synchroniser mais quelque chose de propre. On dégage. Yep. Ah, je me disais pas de strum. RT plus X pour attirer les ennemis. Yes. Viens par ici. Ah. Ça, c'est cool contre eux parce qu'avec le petit gun, ça faisait pas bien mal. Ibim. Allez, nickel chrome. Bon, j'ai perdu un peu d'énergie quand même là. Faut que je fasse un peu plus attention. Même si c'est pas encore catastrophique. J'ai hâte aussi d'avoir au moins 1000 orbes là, histoire. Et maintenant de... Ouais, bonne question. Ah, ça va être l'arbiteur. Voilà, 3 coups, ça passe. L'arc les amarres. Oh. Il y a une grosse tête qui bouge là-haut. C'est pourquoi. Oula, on est reparti dans l'autre sens. Ouh. Non. C'est bien toi. Je confirme. Ok. Qu'est-ce que t'as d'autre en réserve? Tout ça, non, c'est bon, ça arrache. Et ça faut que je le top. Yes. Alors, oh tiens. Ah, je suis pas assez haut. Oh, attends, c'est quoi le délire? Déjà lui, ça c'est sûr. Quand même.
Ah là, hello. Ah, rien. Et puis j'ai pas de clé, je crois. Ah si, j'en ai une. J'avais oublié. Yes, I. Alors, dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Simple éradication, tuer tous les ennemis dans le temps imparti. Ok. Simple éradication. Pardon, c'est l'autre. Blam blam. Ah, ça c'était bien ça aussi. Hey, il est de l'autre côté, l'enfoiré. Bon, ça va, c'était simple. Ouais, c'était vraiment simple éradication. Il l'avait dit en même temps. Hein. Donc ça en fait 2 sur 4. Yes. Bim, 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 bam, boum. C'est vrai que les enchaînements de malades que tu peux faire quand même, c'est terrible. Ok, en tout cas c'est passé. Emballé. Oh là là. Allez, cool. Allez, ça continue. Allez, on y va. C'est la balade. Et un coup d'arbiteur. Allez. Sparda, Sparda, ils sont là. Ils sont là. Ils nous ont trouvés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allons bon. Maintenant. Tu pars de l'autre côté, toi. Allez, accélère. Ah bah on est revenu par là, d'accord. Oh le délire. Bateaux blindés. Voilà. Ah dommage, il a remis son bouclier. Ah, ce qu'il faut, c'est les enchaîner direct. Faut pas les laisser reprendre. Non, non, non. Si, si, si. Comment nous ont-ils trouvés? Je connais cette voie. Apparemment, ce serait là qu'il faudrait aller. C'est pas par là, non? Non, non, je pense qu'il faut aller là, en effet. Je peux. On va tenter. Oui, c'est bon, ça passe. Ah, c'est sûr, là, on n'est pas dans un Saints Row. Fouille ma poule. Non, rien du tout. Tu crois que je pourrais aller à droite, là? Ouais, ça y ressemble. Et pour aller où? Pour faire quoi? Bah, pas grand-chose, apparemment. Non, il n'y a rien du tout. Dégoûté. Ça aurait pu, en plus, hein. Mais bon. Pas grave. C'est qu'ils ont jugé bon que ce n'était point nécessaire. Bim. Arbiteur. Oh, une petite statue du temps. Eh ben écoutez, j'ai un petit point et tout à faire. Moi je vais stopper la vidéo sur ce coup-là et puis je vais reprendre sur une autre. Allez, tchuss les loups.